entrez. Hansa. Bonjour, monsieur le mari. Je suis correspondant d'un journal de Paris. De Paris, soyez le bienvenu. Les journaux de Paris ont annoncé que vous avez trouvé le moyen pour les hommes de faire des enfants. Cela est vrai. Et comment ça? La volonté, monsieur, elle nous mène à tout. Sont-ils nègres ou comme tout le monde? Tout cela dépend du point de vue, on se place. Vous êtes riches sans doute. Pas du tout, pas du tout. Alors, comment les élèves-vous? Après les avoir nourris au biberon, j'espère que ce sont eux qui me nourriront. En somme, vous êtes quelque chose comme une fille père. Ne serait-ce pas chez vous instant paternel, maternisé? Non, ma chère, monsieur, tout à fait intéressé. L'enfant est la richesse des ménages, bien plus que la monnaie. Et tous les héritages. Voyez ce tout petit qui dort sur le berceau. Il se prénomme Arthur. Il m'a déjà gagné 1 million comme un cafard de l'écaillis. Son âge. C'est lui la Joseph et romancier. Son dernier roman s'est vendu à 600 000 exemplaires. Permettez que je vous en offre. Quelle chance! Votre une dame qui s'appelait Cambron. Une dame qui s'appelait Cambron. Il y a cependant là une manière polie de s'exprimer. Une certaine préciosité qui ne court point les rues. Enfin, quel qu'il est, selon moi, m'a rapporté plus de 200 000 francs. Hansap, mais n'avez-vous pas de fils? Si, si, celle-ci, plus artiste que quiconque à Zanzibar. Récite des beaux vers par les mornes soirées. Ses feux et ses cachets lui rapportent chaque an ce qu'un poète gagne en 50 000 ans. Ce qu'un poète gagne en 50 000 ans. Si riche, prêtez-moi 100 sous. Remets-il la poussière? Remets-il la poussière?
c'è la poussière.